Speedy 18. Et salut tout le monde, c'est Dom-Tom Gamer, j'espère que vous allez bien. Allez, on va continuer sur Wolfenstein The New Order et du coup on va repasser une petite heure ensemble, enfin du moins si je pète pas un plomb avant, parce que ça commence à devenir un petit peu l'enfer ce jeu. On va essayer de se repasser le passage où j'ai perdu dans mon précédent épisode. Et c'est vrai que c'est pas évident. Alors j'ai vu que j'avais un petit silencieux, c'est vrai l'autre fois. Du coup on va voir si peut-être on peut se l'utiliser. Il vient vers moi, lui, non? Il est un peu con, non? D'accord. Comme dans Sniper Elite, quoi. Comme dans Sniper Elite. Putain de casque super dur, quoi. Eh bien, allons-y. Ah, putain, merde. Je voulais faire dans la tête, là. C'est un foiré. Et ça n'a pas marché. Allez, on va attendre qu'ils se ramènent, les mecs. Putain! Oh! Enfoiré! Vite! Charge, 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 charge. Hop là! Allez, ramenez-vous. Ramenez-vous, bande d'enfoirés. Je vous attends. Oh putain! Oh le bug! Oh le gros bug du chien, regardez-moi ça! Regardez-le! Allez, dégage le chien. Putain de bug. Bon, on va pas s'en plaindre du bug, hein. On va pas s'en... Putain, mais... L'enfoiré. On va pas se plaindre de ce bon bug de toutou, quoi, parce que... ça m'aura bien aidé. Allez, va arriver. Je le sens. Ah, appelle des renforts, ouais. Oh. Vite, je recharge. Je sais pas qui c'est qui tire là. Oh, j'ai pété la jambe. Je t'ai bien pété la jambe à toi. Putain, j'espère ne pas crever là, parce qu'on est en train de faire un petit ménage comme il faut, tranquillou. Et honnêtement, ça me va bien comme ça. Je regarde si j'ai pas récupéré une autre arme. Oh! Vite! Vite, vite, charge, 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 charge! Hop là! Allez, ramenez-vous, quoi! En fait, ceux qui me font perdre beaucoup de munitions, là, c'est ceux qui sont un petit peu solides. Il y en a un là-bas. Vas-y, ramène-toi. Après, quand c'est des espèces de troopers de Star Wars, là, ils sont pas très, très dangereux. Ah, il y en a un qui va se ramener.
Alors? Il est où? Bah, il me tire dessus, donc il doit pas être loin. Ah, attendez. Il doit être en face là-bas sur le côté, non? Bon les gars, c'est quand vous voulez là. Bon, je pense qu'il doit pas en rester beaucoup, hein. Ah, mais ils sont là-bas au fond. Impec, on en a eu un. Bon, il n'en reste plus qu'un apparemment. Je crois qu'on aura bien fait cette partie. Là, cette fois-ci, on l'aura bien. On les aura bien eu, pour rester poli. Allez, Impec. Qui c'est? Ah, il est là-bas. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, vous savez quoi? Un bon petit point de sauvegarde ne serait pas de refus. Parce que j'ai pas envie de me retaper ce passage-là, parce qu'il est quand... Oh putain, comment on les a... Ah, on les crame et tout en même temps qu'on leur tire dessus, quoi. Ça leur crame la peau et tout, quoi. Et franchement, c'est bien fait, regardez-moi ça. Regardez-moi ces gros dégâts qu'on leur a foutu dans les dents, quoi. Ok. Ouais, donc un point de sauvegarde, j'aimerais. Oh, bah encore! Oh putain, on n'a pas fini, les enfants. Qui c'est qui tire là? Un espèce de gros machin, non? D'accord, je le vois. Putain, il me fait chier, lui. Lui, il me fait caguer, là. Putain, il va pas me crever alors que maintenant j'ai réussi à faire tout ça, quoi. Putain, on l'a eu. On l'a eu. Mais c'était juste une mitrailleuse en fait. Je croyais que c'était un gros enfoiré. Finalement, ces armes ne sont pas tip top quoi. Hein. Mais écoutez, la musique s'est arrêtée. Je pense que c'est bon. Oh putain, je pense qu'on y est arrivé. On a un petit peu d'énergie, ça fait pas de mal. Parce que la zone, ça paraît pas, mais elle est plutôt vaste. Après, je pense qu'on peut venir se planquer. Si on est bon, on tire, on se planque, on fait ça, tac, tac. Après, moi, je suis pas un pro des FPS, donc je fais un petit peu comme je peux. Je me méfie. Écoutez, on va pas se faire caguer, on va prendre ça au cas où, hein. On sait jamais. Alors par contre, on va faire le tour. Parce que je sais pas où c'est qu'il faut que j'aille. Ouais, il faut avancer vers là-bas. Allez, un beau gilet pare-balles. Hein. Je peux sauter là? Non? Pardon. Ah, tu vas me dire qu'il faut que je passe par en bas, quoi, je suppose, non? Et que je remonte en haut. D'avoir un côté un petit peu labyrinthe là. D'avoir un parcours à suivre. Là, il y avait un chargeur, là, vous voyez?
Bon là, ça m'aide pas là. Parce que si je peux pas passer au-dessus de ces conneries là. Non, un truc. Bon, mon arme, elle me fait chier là. Parce que je peux pas courir avec. Ouais, il peut pas passer au-dessus de ça. Ah, mais d'accord. Eh bien voilà, il fallait venir à cette porte ici. Vite, récupérons mon arme. Ok. Non, moi je croyais qu'il y avait le tour à faire et aller à un endroit bien précis. Et du coup, non. Voilà, parce que j'avais envie. Bon, allez, qu'est-ce qui nous attend? Un petit point de sauvegarde, hein? Toujours pas? Allez. Un petit point de sauvegarde, s'il te plaît. Non, là, je suis où sur la carte? D'accord, je suis arrivé ici. Je peux pas aller là. Ah ouais, un point de sauvegarde. Ouf! Allez, on aura passé déjà la zone difficile, hein. C'est plutôt bon. Hop. Je me méfie quand les portes le s'ouvrent comme ça. Oh putain, il y a un gros mec. Lui, il vient, lui, là. Oh merde, quoi. Vous pouvez pas fermer ta gueule, hein. Je mets mon arme de côté. Parce que voilà, je voulais la garder pour lui. Ok. Barrez-vous. Eh ben, je pense que c'est pas mal là. J'entends un mec marcher. Ah, j'en veux pas de cette arme. J'entends un mec marcher. Ah ben voilà. Il est où? Oh, j'ai plus de munitions, ça c'est ballot ça. Il y avait un chargeur ici. Alors attendez, vu qu'il n'y a pas de chargeur. Je vais juste me prendre ça au cas où. Oh, mais il y a des mecs là! Putain, il y a des mecs là! Je vais essayer de conserver mes munitions quand même. Parce que deux pistolets, ça tire deux fois plus. Mais c'est toi qui buguais là. Mais voilà! Putain! Oh, j'ai une session de jeu qui bug en fait. Ah, trop fort, il joue au vieux jeu. Regardez. Il jouait au vieux jeu sur la lune, quoi. Au vieux jeu Wolfenstein 3D. Allez, des couteaux dans le lavabo.
C'est quoi ça? Des trucs sur les chiottes. Allez, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On va en profiter, hein. Là. Ah, ben voilà mon chargeur. Allez. Ok. C'est quoi ça équipé? Ouais. Hein, c'est quoi ça? Limite atteinte. D'accord, il y avait un chargeur ici. Là aussi d'ailleurs. Oh, dis donc, on en a cramé un paquet là. Surtout ce gros enfoiré là. Que d'ailleurs, on va y piquer son arme. Voilà, on va y piquer son arme. Que d'ailleurs, on va aller charger. Voilà. Et au cas où il y aurait un autre gros enfoiré, on aura cette arme-là pour bien se défendre. Allez, putain, il faut aller où là? Bon, ben on a compris. Il faut aller là-bas. Il y a une petite surcharge ici. À mon avis, c'est qu'il va y avoir un paquet de mecs peut-être par là. Non, on les a déjà fait venir peut-être. Peut-être qu'ils ont tous rappliqué. Bon, là, je suppose qu'on ne peut pas. Hein. Forcément, ça sentait un petit peu le cul-de-sac. Non, mais voilà, l'objectif, il est là. Il faut qu'on rentre là-dedans. Allez. Oh putain, le con, il aurait pu. Ah, oh, il aurait pu faire glisser l'arme. Je peux pas la récupérer. Ah, oh, merde. Putain, quel abruti. T'es vraiment un abruti, quoi. L'autre fois, il me l'a fait dans un épisode. L'arme était tombée. J'avais pu la récupérer. Mais là, ben, on est comme un con. Voilà. Alors, par contre, où c'est qu'il faut aller? Faut que je tombe là? Non, je peux pas. Il doit y avoir un truc à découper, non? Peut-être, hein? Alors ça va là. Ah si, il pouvait aller en bas. Oh putain, oh encore ces trucs de sa mamie là qu'elle m'envoie à Nia quoi. Putain, à chaque fois ça me fait flipper. Je vérifie hein, que je tombe pas comme un con et que je meurs. Y a un mec là? Non. Ouh, il y a une surcharge ici. Il y a un point de sauvegarde. Hop, on va prendre une autre arme. Mais voilà. Moi, je trouve que je suis plutôt bien dans ma niche ici. Si je les faisais venir là. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là.
Il est trop loin, lui. Il est trop loin, mais on va attendre de voir s'il n'y a pas d'autres enfants qui vont se ramener. Non, ça a l'air bon, là. À mon avis, il reste plus que lui. Voilà. Un petit ménage tranquillou, discretos. J'aimerais bien recharger mon arme là, je peux? Allez, qu'est-ce qu'on a récupéré ici? Pas grand chose. Allez, encore un contorsionniste. Ça arrive souvent hein, dans les jeux. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pas grand chaos. Quelle belle vue. Regardez-moi ça. Mais je suppose qu'il faut aller là. Il y a un petit point de sauvegarde. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Il y a un signal qui est détecté, donc je suppose qu'il y a des enflures. Par contre, je me suis baissé. Et aussi bien, c'était ce qu'il fallait faire. Pour pas que ça détecte une arme. Je sais pas combien ils sont là-dedans. Chut, chut, chut. Ah, il doit y en avoir un paquet là-haut. À moins que t'étais tout seul, mon coco. Peut-être que t'étais tout seul. Ça m'étonnerait quand même. Alors, on va commencer à s'approcher un petit peu de l'objectif. J'entends un mec. Il y a quelqu'un qui marche. Putain, je sais pas où il est, ça me stresse. Il doit être en haut. Un petit gilet. Eh bien, on va monter en espérant qu'on se fasse pas repérer là. Parce que je pense que le plus gros est en haut. Oh, il y en a un là. Eh bien, c'était chouchou. Ah, mais il y a un commandant là-bas. Il est tout seul le commandant? On dirait. Ouais. Eh bien, on va aller se le tailler. On va lui tailler une causette. Hop! Et voilà! Parce que je pense que, comme ils avaient dit au début du jeu, c'est eux après qui alertent vraiment beaucoup de monde qui se ramène. Bon bah écoutez, cette zone, on a évité le pire pour l'instant. Hein. C'est plutôt bon. Alors apparemment, il y a pas mal de chaînes là qui clignotent. Je suppose
qu'il va falloir qu'on les coupe, hein. Mais avant de faire ça, je vérifie simplement ce qu'il y a un petit peu dans les parages, hein. Et après, on va s'en occuper. Parce que vous voyez, il y a même une surcharge ici. Donc ça veut dire normalement que c'est une zone où il devrait y avoir pas mal d'enfoirés. Oh, dis donc, comme j'ai mis le couteau. Bon, un petit peu à côté de la tête quand même. Un petit peu à côté de la tête. Ah, c'est bien, je peux récupérer les couteaux que je jette. Alors ça, c'est pas con. Parce que des fois, il y a des jeux où on peut pas récupérer les flèches ou les couteaux qu'on lance. D'ailleurs, je trouve ça débile, hein. Et là, j'ai pu récupérer mon couteau. Je fais un petit peu mon tour, quoi, tranquillou. Alors, l'objectif est là-bas. Par contre, les chaînes, quand même, ça m'intrigue tout à l'heure, là, quoi. J'ai vu que je pouvais couper les chaînes. Ça m'intrigue, ça. On va juste aller y jeter un œil vite fait. Ok. Allez. Ouais, je voulais aller voir peut-être. Non. Putain de sélection d'armes. Hein. Voilà. Je voulais voir ce que c'était ces chaînes, quand même. Ça m'intrigue. Parce que. Il y en a quelques-unes. Hein. Alors on va essayer, hein, on va voir. Hein. D'accord. Et ça fait quoi? ok, mais ça fait quoi? Alors, on va réussir celle-là. Ah, d'accord, peut-être que s'il y avait des mecs qui font leur tour de garde, tu tires là-dessus. Et auquel cas, mais ça fait boum quoi. Je suppose, hein, c'est. Après, honnêtement. J'en sais rien. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Ils sont en train de fabriquer encore des super méga robots ou humains là? On dirait non, ils font des expériences un petit peu chelou. Bon, ok, allez, on va aller avancer. On va aller avancer, pardon. On va avancer. Hop. Par contre, il y avait un paquet de surcharges, je trouve. Non, je veux simplement celui qui est tout seul. Et le pistolet au cas où. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, Anya? Parce que j'ai pas regardé mes objectifs. Ok, trouvé. Ok, bon, il me faut une combinaison spatiale. Ah oui, il faut que je prenne la combinaison spatiale. Putain, on va se retrouver dans l'espace à un moment donné. Ça doit être ça. Ouh, j'entends du bruit. Y a quelqu'un? Non. Non, non, c'est les ordinateurs qui devaient faire ce bruit. On aurait dit comme quelqu'un qui tape à la machine. Allez, encore ça, un code sûrement. Bon, mais on doit pas être loin de cette putain de combinaison là, spatiale. Une surcharge ici. Il y a un truc pour charger l'arme aussi. D'accord. Allez, je suppose que c'est en bas qu'il faut aller.
Non. Non plus. Non plus. Ok, alors. Donc on est arrivé par là. Il y a une porte ici peut-être. C'est bizarre, j'ai l'impression que normalement il va y avoir plein de mecs ici. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Ah, mais d'accord, il faut aller là. Ouh. C'est un petit peu rouge ici. Et voilà, vous voyez, elle m'envoie chaque fois un journal là, juste aux endroits où peut-être on se dit qu'est-ce qui va se passer et tout. C'est fait exprès en fait. Allez, les armures sont pleines, je pense que c'est là-bas qu'il faut aller. Ah non. Mais on va continuer à avancer dans les sous-sols. Hop. Dans les conduits. Si je vois pas de mec. Allez, il y a un petit point de sauvegarde. Hein. C'est un mec ou c'est juste une combinaison ça? Ah, c'est juste la combinaison. D'accord, ben on est arrivé à l'objectif. Ok. Bon bah écoutez, on va se lancer ça. On va faire, je pense, une petite sortie dans l'espace. Vu que le jeu nous propose des gameplays assez différents d'une mission à l'autre. Eh bien, on va essayer. Allons-y. Allez, paniquons pas, on va marcher sur la Lune. Il n'y a rien de grave, hein? Ça m'arrive tous les jours d'aller marcher sur la lune. Par contre, il faut aller où là? Parce que maintenant que je suis dans mon scaphandre. Allez. Allons prendre l'air un peu. Parce que je me sentais un petit peu enfermé quand même, hein. Oh merde, alors putain, c'est bien fait, hein? Yeah, putain, on est sur la lune, quoi. Regardez ça. Trop bon. Et si je saute, je. Ah oui, c'est apesanteur un petit peu. Hop! D'accord. Ah ouais. Hein, c'est plutôt bien fait. Allez, on va suivre les trajets de roue là. Par contre, je sais pas si j'ai de l'oxygène ou pas. C'est pas précisé. Apparemment, je peux respirer autant que je veux. On devrait pas avoir ce stress-là. Alors. Un petit point de sauvegarde ici. Donc, il va y avoir quelque chose. Hein. Ah, mais il y a des robots là. Eh, c'est plutôt bien fait, le son on l'entend pas et tout. Eh, ça rend plutôt bien. Hein. On a vraiment l'impression d'être dans un scaphandre où on serait coupé un petit peu
de toute ambiance sonore, quoi. Hormis notre respiration. Allez, ramène-toi, le robot. Par contre, je commence à être un petit peu à court de munitions là. Ok, il faut que j'aille où? J'ai une carte de la Lune? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? C'est quoi ça? Il faut que j'aille là-bas, que je saute. Toujours pas de chargeur. À mon avis, il faut que je saute là-bas. Oh putain, c'était chaud. Mais les enfants, c'était chaud, hein. Allez, on rentre. Parce que la balade était bien sympa. On va charger ça. Mais bon, je pense que ça va faire du bien quand même d'enlever ça. Allez, Sésame, ferme-toi. Et du coup, est-ce que je peux poser mon scaphandre là? Ouais. Et puis voilà. Putain, il est beau mon scaphandre, on dirait un Power Ranger ou un Bioman, quoi. Allez. Qu'est-ce qu'il y a ici? Par contre, ça ressemble pas du tout là où on était tout à l'heure, hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu différent, non? Je me souviens de ce jour, dans ce foutu camp. Cette femme, je la connaissais. Une forte personnalité, volonté de faire. Plus de famille, plus aucun proche. Mais elle a toujours gardé la foi. Moi aussi, je garde la foi, mais pas avec autant de certitude qu'elle. Pour moi, tout doit être remis en question pour laisser place au questionnement. Sinon, on ne peut rien apprendre. Regardez ça. Ce camp est le fruit de la conviction. C'est sale cougar, quoi. C'est là que conduit la certitude absolue. Pourtant, vous êtes croyant. Je me demande souvent quel genre de Dieu peut permettre que ma souffrance arrive. Et je me demande aussi si ma foi est vraiment bien placée dans de telles circonstances. Il nous met peut-être à l'épreuve. Bien, Simpson, si jamais c'est une épreuve, nous échouons misérablement. Oh putain, il faut. Ah putain, je m'enlève le code, quoi. Enfin, je m'enlève mon tatouage. D'accord. Ah, c'est horrible. Ok. Bon, mais au moins, comme ça, j'ai plus le tatouage du prisonnier. Et après, je le comprends, hein, pourquoi il est enlevé. C'est clair que c'est un petit peu horrible d'avoir ça sur le bras. Allez, on continue. Ah là, par contre. Et comment savoir du monde? Il y a un terminal contenant une base de données de cryptage-décryptage dans la salle d'opération.
salle, puis accède à l'ordinateur et imprime les clés de décryptage nucléaire. Bon ben ça va. Vu comme elle le raconte, ça a l'air simple. Hein? On va faire ça. Il y a des surcharges ici, il y a un chargeur pour l'arme. Je me le retiens. Au cas où, je reviendrai simplement en arrière. Je vais essayer de me faire à l'enfoiré qui est là-bas. Par contre, je sais pas quel trajet il fait. Il va venir vers moi ou pas? Ouais. Alors on va attendre qu'il passe là-bas. Et on va aller derrière lui. Putain. Il est où? D'accord. Oh putain, il y a un robot! Oh la vache, j'ai pas vu le robot! Oh le con! On peut se planquer là? Ouais. Putain, il y a un robot quoi! J'avais pas fait gaffe. Par contre, ça c'est pas mal, il y a une planque. C'est quoi ça? Une amélioration, non? D'accord. Ok. D'accord, c'est une amélioration pour cette arme là. Par contre, je vais quand même reprendre mon arme ici. Là j'ai une surcharge. C'est ce foutu robot que je sais pas comment on va se le faire. C'est un petit peu coton. Allez, j'attends qu'il se repointe lui là. Et après je vais me le faire. Ensuite on se fera le robot et on ira se planquer un petit peu là-dedans pour essayer de le déquiller. Par contre là-dedans est-ce qu'il y a un chargeur? Il n'y a pas de chargeur par contre. Il faudrait essayer de l'attirer vers là-bas et auquel cas venir se recharger ici. Bon, il faut quoi mon copain là? Il me saoule. Ah, ça y est, il revient. Voilà, on va le voir mieux ici. Est-ce qu'il va venir jusqu'à moi ou pas? Hop. Bon par contre de toute façon le robot on peut pas se le faire comme ça. Lui il va falloir à mon avis qu'on y rentre dans le lard tout simplement. Hein. Par contre est-ce que j'ai des grenades? Hey, j'ai des grenades, j'en ai un paquet en plus. Bon bah écoutez, de toute façon il faut se lancer hein. Il est où? Oh merde! Putain, je pensais avoir du mal à me le faire lui. Et c'est pas lui qui va me faire chier en fait. Hop, un petit peu d'armure. Ils sont où? Hey, merci. Rentre là-dedans s'il te plaît. Allez, ramenez-vous maintenant. Venez.
C'est qui là? T'es où? Mais voilà. Bon, plutôt tranquillou, on se les est fait. Hein. T'es où toi? Voilà. On va récupérer l'armure ici. On peut se prendre la surcharge au cas où. Une petite recharge. Et en avant. Bon, ils venaient d'où eux? Ah, ils venaient de là-bas. Oh putain, il y a un enfoiré là-haut. Allez, ramenez-vous. Ah, mais il y a un paquet de monde là-haut. Il y a un chargeur ici, j'ai vu. Merde. Oh. Montre-toi. Bon, tu te montres pas? D'accord. Je peux pas recharger mon arme là? Putain, tout à l'heure je l'ai chargée. Impeccable. On est reparti. Qui c'est qui me faisait caguer là? Y'en a un qui tire. Y'en a un qui tire, mais je sais pas d'où. Ah, mais ça y est, je le vois. Il y en a des surcharges ici. Eh ben. Qu'est-ce que tu restais là? Oh, bison. En fait, on dirait bison quoi, de Street Fighter, les mecs quoi. Ah ben voilà. C'est ici qu'il fallait que j'aille. Et bien sûr, il m'a laissé mon arme en bas. Putain! Quel con! Chaque fois il apprend pas avec lui quoi. On est où là? D'accord. Il y a un paquet de chargeurs ici. Je sais pas pourquoi, mais ça pue l'ennemi à plein nez. Fire after!
Regardez ça. D'accord. Oh putain, on est dans une zone où en fait on est pris en sandwich quoi. D'accord, ben voilà, on est tombé un petit peu. Putain, j'ai plus de munitions. Le con. Putain de chien. Putain, il va me laisser charger ou quoi? Je suis plutôt pas mal dans mon petit coin là. Allez, montrez-vous là. Il y en a encore un là. Il me saoule lui là. Putain de sélection d'armes. Oh con. C'est une horreur quoi. Qu'est-ce qui m'a branlé? C'est ça que je voulais charger. Qui c'est? Oh mais tu sors d'où toi? Bon ben je pense qu'on a fait un petit peu le ménage ici. Ça serait pas mal que j'ai un petit point de sauvegarde pour arrêter la vidéo là. Ouais, tout le monde s'est un petit peu radiné. Apparemment, il n'y a plus personne. Ok, alors où c'est qu'il faut que j'aille maintenant? Parce que c'est bien joli d'avoir fait tout ça. Mais je dois bien avoir un endroit où aller ou un bouton à appuyer. Donc là on est arrivé d'ici. Donc du coup, la logique voudrait quand même que je monte tout en haut. Et que tout en haut j'ai quelque chose à faire. Non, ça serait peut-être un petit peu logique. Ah, peut-être ici. Je sais pas alors. Bon ok, bon allez, on va arrêter cet épisode là. Bon mais j'espère que ça vous aura plu. On avance bien, je pense qu'on va pas tarder à se le finir. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé ce let's play. Alors j'avais laissé un petit peu de côté le jeu, même si vous êtes encore en train de voir des épisodes arriver, parce que j'ai fait la bêta de The Crew et du coup j'ai laissé pendant un week-end de 3 jours Wolfenstein de côté. Bon mais ça va, j'ai pas trop perdu la main, on arrive un petit peu à avancer. Merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de DomTomGamer. Ciao ciao.